S'agit de la correction d'un exercice de probabilité issu des sujets 2-3C de contrôle continu de classe de première en spécialité maths. Voici donc le sujet. On nous donne une urne avec 6 jetons rouges, dont un qui est marqué gagnant, et 4 jetons verts, dont 3 d'entre eux sont marqués gagnants. On tire au hasard une urne, on donne 3 événements, R, V et G, correspondant à rouge, vert et gagnant. Et la première question est de modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré. On voit qu'il y a deux choses qui nous intéressent en tirant une boule, la couleur et savoir si elle est gagnante ou perdante. Donc il y a deux façons de tracer l'arbre. Soit on commence par déterminer la couleur, à savoir rouge et verte, soit on commence à se demander si elle est gagnante ou perdante. On appellera G bar l'événement perdant. Et en deuxième analyse, on pourrait regarder dans notre premier cas, du coup, si elle est gagnante ou perdante pour chacune des deux couleurs. Et inversement, dans notre deuxième situation, on pourrait se demander, une fois qu'on a déterminé si ma boule est gagnante ou perdante, si elle est rouge, verte. Aucun des deux arbres n'est meilleur que l'autre, les deux peuvent avoir leur pertinence. Il faut, en fonction de l'énoncé, adapter et regarder quel sera le plus intéressant. Vu la façon dont l'énoncé est donné, c'est qu'on me donne le nombre de gagnants pour le nombre de jetons rouges. Le premier arbre est le plus intuitif. Donc nous allons partir sur le premier arbre, mais retenez bien qu'il aurait été tout à fait possible de faire le deuxième arbre, et d'ailleurs souvent, dans les dernières questions des exercices, une question relative à un arbre posé du coup à l'envers intervient. Il faut donc indiquer maintenant les pondérations, comme il y a 6 boules rouges sur 10, la probabilité d'avoir rouge est de 0,6, 4 boules vertes de 0,4, et parmi les 6 rouges, une est gagnante, donc la proba d'avoir gagnant est 1 sixième, 5 sixièmes donc d'avoir perdant. Ces questions sont faciles. Et sur les 4 vertes, 3 sont marquées gagnantes, donc on a une proba de 3 quarts d'arriver en gagnant et 1 quart d'arriver en perdant. La première question est facile, elle est juste une mise en situation de l'exercice pour pouvoir avancer. La deuxième question demande de calculer la probabilité que le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant. Retenez bien cette information-là, le « et », qui veut dire « je veux en même temps un jeton vert et en même temps un jeton marqué gagnant ». Il s'agit donc d'une intersection. Je veux l'intersection de mes deux événements. Je veux que ce soit vert et que ce soit gagnant. La traduction d'énoncé est « on cherche P de V inter G ». Si je représente en vert le chemin correspondant, c'est ce chemin-ci, puis celui-ci. Et donc, nous allons détailler par le calcul cette probabilité. Il s'agit de P de V fois P de G, sachant V, pour la deuxième branche. Et donc, en effectuant une application numérique, cela fait 0,4, qu'on peut écrire peut-être 2 cinquièmes pour n'avoir que des fractions, multiplié par P de G 3 quarts, soit 3 dixièmes. Troisième question. On me demande de montrer que la probabilité d'avoir un jeton gagnant est de 2 cinquièmes. On me demande donc de calculer P de G. Dans mon arbre pondéré, je vois qu'il y a deux chemins qui m'amènent à G. Il s'agit donc ici de reconnaître la formule des probabilités totales. R et V forment une partition de mon univers, car il n'y a que des boules rouges et vertes, et une boule ne peut pas avoir les deux couleurs en même temps. Donc R et V forment bien une partition de mon univers, ce qui me permet de décrire que P de G est égal à P de G inter R plus P de G inter V. P de G inter V, on l'a déjà calculé à la question d'avant, cela fait 3 dixièmes. P de G inter R, on peut le faire un peu plus rapidement. Cela fait 3 cinquièmes fois 1 sixième plus 3 dixièmes, soit 4 dixièmes ou encore 2 cinquièmes. Attention, dans la rédaction de cet exercice, il est important de citer le nom de la formule et il est bienvenu de rappeler que les deux événements R et V forme une partition de oméga, ces deux éléments rédactionnels apportent incontestablement une plus-value sur le calcul qui est amené après. La quatrième question, sachant que le jeton tiré est gagnant, calculer la probabilité qu'il soit rouge. Donc on cherche à calculer P de R sachant G. Dès que vous voyez sachant que dans un énoncé, il s'agit évidemment d'une probabilité conditionnelle. Il s'agit de la formule de Bayes que vous devez connaître, qui dit que P de R sachant G est égal à P de R inter G sur P de G. Si vous ne connaissez pas cette relation, si vous avez un doute, en prenant ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'énoncé, en posant l'ordre à l'envers avec en première condition G et G bar et puis V et R en deuxième tirage, on cherche ici la probabilité
de R, ça changeait, la probabilité conditionnelle de deuxième branche ici. Et vous devez savoir que P de G inter R, c'est la première formule que nous avons utilisée, est égale à la probabilité de G multipliée par la probabilité de R, ça changeait, en calculant la probabilité de ce chemin-ci. Et à partir de cette relation-là, on trouve donc très facilement l'élément qui m'intéresse, P de R, ça changeait, qui est donc égal à P de G inter R divisé par P de G, qui est la formule de Biles que nous avons là. Cette stratégie-là, de poser l'arbre du coup dans l'autre sens que celui proposé au début de l'énoncé, permet de retrouver du coup cette formule de Biles. Nous avons tous les éléments dans l'énoncé. Cela fait 3 cinquièmes fois 1 sixième au numérateur et au dénominateur 2 cinquièmes en fonction des résultats précédents. Et au total, cela va faire 1 dixième sur 4 dixièmes, soit 1 quart. La dernière question est une question de plus de recherche. On tire maintenant, toujours au hasard, simultanément deux jetons dans l'urne. Calculer la probabilité que les deux jetons soient marqués gagnants. Le fait que les deux tirages soient simultanés n'interdit pas de considérer deux tirages consécutifs. Le premier jeton va se demander s'il est gagnant ou pas gagnant. Il y a 4 jetons gagnants au total sur 10. Donc on a une probabilité de 4 dixièmes ici, et donc de 6 dixièmes d'avoir un jeton perdant. Et considérons le deuxième tirage quasi simultané, mais sachant que j'ai eu un jeton gagnant à mon premier tirage, il ne me reste plus que 9 jetons, et donc il n'y a plus que 3 jetons gagnants, il y a toujours 6 perdants. Donc la probabilité d'avoir à nouveau un jeton gagnant lors de mon deuxième tirage sera de 3 neuvièmes, c'est-à-dire un tiers, alors que d'avoir un jeton perdant sera de 6 neuvièmes, soit 2 tiers. On peut calculer, pour terminer, même si cela ne va pas m'aider dans mon exercice, la fin de mon arbre pondéré dans cette situation. Une fois que j'ai eu un jeton perdant à mon premier tirage, il ne me reste plus que 5 perdants. J'ai toujours 4 gagnants. Et donc, la probabilité d'avoir à nouveau gagnant au deuxième tirage est de 4 neuvièmes. Comprenez bien que lorsqu'on dit tirage simultané, on peut dire le premier tirage et une fraction de seconde, le deuxième tirage. L'idée, c'est de comprendre que c'est un tirage sans remise, c'est-à-dire que le deuxième tirage s'est effectué sans remettre le premier jeton. Simultané est important pour cela, car dans la plupart des tirages, lorsqu'on fait des probabilités, on tire un jeton, on le remet et on en tire un deuxième. Donc on renouvelle une deuxième fois la même expérience que l'expérience initiale. Ici, le fait de faire un tirage en simultané implique que le premier tirage que nous avons fait va impacter le deuxième, et on voit bien que les probabilités de deuxième chance ne sont pas les mêmes en fonction qu'on a eu un jeton gagnant ou perdant au premier tirage. On me demande maintenant de calculer la probabilité qu'on ait deux jetons gagnants. Il s'agit donc de trouver cet événement-ci. G1, si on voulait mettre des numéros inter G2, pour être plus clair. G1 inter G2, on pourrait le calculer. Ce qui est égal à 2 cinquièmes fois 1 tiers, soit 2 quinzièmes. Cet exercice est terminé.